arrive à iFly. Oh. T'as peur? Moi, je vais faire ça pour la première fois de ma vie, quoi. Je vais voler, quoi. Tu peux voler, Lulu? Ça va être ma toute première fois. Bon, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Je vais me garer là, hein, tout droit, devant. Vas-y, gare-toi. Bien manger, yes. Bien digérer, parce que on sait jamais. Va te garer, garde-toi où tu veux. Non, mais je me gare loin de tout le monde, comme ça au moins. Sachant qu'il a deux séances, donc. Donc c'est dans une heure, on arrive une heure avant. Je sais pas pourquoi ils m'ont dit d'arriver une heure avant, mais c'est dans une heure. On m'a offert ça pour mon anniversaire, hein, by the way. Juste comme ça, je le dis. Donc bah merci à la personne qui m'a offert. Bah go. Toi tu veux en faire, moi? Mais non, c'est à toi, mon cœur. Je te donne ma deuxième séance. Non, mon ami, merci. Non, regarde. Oh, oh. Oh, il va faire ça. Oh, il va faire ça. Il parachute. Ouais, comme ça on va faire la astuce. No copyright, hein, on croise les doigts. Ah ça va, ils ont coupé la musique. T'as pris quoi? Chocolat chaud. Et un petit iced tea. C'est ce que je vais faire après. Là donc il y a un mec qui va nous tenir. Et voilà en fait. Là c'est celui qui faisait, qui montait jusqu'à tout en haut. C'est vrai, il y a un peu plus de... Incroyable. Alors? J'ai peur, j'ai le chocolat. Ah t'as vu quand ça monte? Ouais, clairement. T'es magnifique, t'as dit quoi? Oh, le brief, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Alors, tu as fait un brief? Bah oui, on a fait un brief et tout. On vous explique un peu comment on fait. Ouais. Et après, là, il nous appelle. Alors, la tenue, c'est trop stylé. Allez, va là-bas. Le loup, il va voler. L'astronaute de la NASA. On se retrouve quelques jours après, putain, bon, c'est une longue histoire, hein. Non, mais ne vous inquiétez pas. On va débriefer un petit peu de mon cadeau, parce que du coup, c'était mon cadeau d'anniversaire. Mais on a eu aussi un cadeau commun. On a eu aussi un cadeau commun qu'on va vous montrer juste après. Je suis quand même plutôt content de vous proposer ce type de vidéo, parce que ça change un petit peu d'habitude. Malheureusement, on n'a pas pu le faire à deux avec Baba. Alors, je ne sais pas si ça se voit aux vidéos, mais je vais vous donner mon impression. Parce que c'était cool, mais... Moi, je l'ai vu. Il y a eu un mais je pense que les gens l'ont vu à la vidéo. En vrai, j'ai moyennement aimé, enfin c'était mitigé, dans le sens où, je vous explique, c'est alors, que... Alors, il n'a pas aimé son cadeau, oui, c'était juste spécial. Je vais vous expliquer, en gros, moi, genre les trucs à sensation, je kiffe, Vaval sait, bah c'est pas moi qui me l'a offert, c'est ma belle-mère, mais voilà, Vaval le sait et tout, si un jour elle a un truc à m'offrir, un truc à sensation, elle me l'offrirait quand même, ça je le sais, parce que bah, elle me connaît, tout ce qui est parc d'attractions, tout ce qui est trucs à sensation et tout, j'adore, mais, il y a eu le mais, c'est-à-dire que, et comme je vous dis, ça se voit aux vidéos, c'est que déjà, j'arrivais pas à être détendu dans le sens où, c'est pas du tout au niveau du, comment ça s'appelle, tu sais quand t'as le vertige, ah oui, ouais. C'est pas du tout au niveau du vertige parce qu'il y avait un fond en dessous, en fait c'était un filet, et en dessous il y avait un... Il y avait des ventilations et tout, mais c'était bien plus bas, c'est-à-dire que c'était au moins 20 mètres, 15 mètres plus bas. Du coup c'était pas du tout au niveau du vertige que ça m'a pas trop plu. C'est parce plus qu'il y a pas le vertige. Ouais. Ouais, j'ai pas du tout le vertige, c'est plus... En gros, au niveau d'être détendu, déjà, bon, j'arrivais pas à être détendu, mais pour une raison. Et je l'avais dit juste avant d'y aller, j'avais dit, j'en suis sûr que je vais pas arriver à respirer dans ce truc. Ouais. Et j'arrivais pas à respirer. C'est-à-dire que tout le moment où vous me voyez dans la vidéo, j'étais limite en apnée, ou en tout cas, j'essayais de respirer. Du coup, c'est pour ça que j'étais pas très très bien. Mais bon, sinon, bah voilà, c'était cool, j'ai grave kiffé. On a fait une super journée sympa avec Baba, ouais. Parce qu'on a pu voir aussi de la famille. On a été manger dans un bon resto, etc., etc.
Et on a été très gâtés aussi. Voilà, on a été très gâtés dans le sens où on a eu un autre cadeau, je vais juste finir sur ça. C'est que bah, pour ceux qui n'ont jamais fait ça, je pense que ça peut être cool. Mais il ne faut pas être... je sais pas comment expliquer. Mais... Et la sensation, pour vous dire ce qui est expliqué, et à mon avis c'est la sensation que tu as dû avoir, c'est que c'est comme si vous sautiez de 4000 mètres, genre de... Comme si vous faisiez un parachute, en avion, ouais, en parachute. Et du coup c'était bien, mais par contre au niveau respiration, j'arrivais pas à caler ma respiration. Et en fait, le mec au début, donc Joy Flame, m'a dit clairement, si vous voulez bien respirer ou quoi, et pas avoir de problème, en gros, faut bien être détendu. Et moi je suis tout le contraire de détendu, je suis tout le temps tendu, moi je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, je suis tout le temps tendu, je suis pas stressé, mais tendu. Du coup bah voilà, j'ai du mal à respirer. Et dites-moi d'ailleurs s'il y en a qui l'ont déjà fait et qui ont eu aussi des problèmes pour respirer. Parce que même par le nez, par la bouche, ça marchait pas. Ça rentrait pas, ça faisait blocage, mais ils l'ont dit de toute façon. En fait, ouais, j'ai dû faire un blocage au niveau du cerveau. Parce que tu sais, quand tu prends trop d'air, t'évites de respirer. Bref, c'était bizarre. Et on a eu aussi un autre joli cadeau. Montre, voilà, ça c'est notre petit cadeau. Bon, c'est pas juste un sac, hein, vous inquiétez pas. Tu veux dire? Alors. Vu que c'était mes 25 ans et que ça va être les 25 ans de Vava aussi cette année. Et ben tout simplement, on a reçu un week-end dans un hôtel 5 étoiles. Dinguerie. Genre avec massage, spa, piscine, hammam. Et c'est à côté d'un casino. Enfin, c'est genre, ça fait partie d'un casino. Il y a aussi. Et aussi repas gastronomique. Repas gastronomique. Truc de ouf dans une chambre de luxe, mais n'importe quoi. Genre, vraiment, on n'avait jamais eu de truc comme ça. Et c'est vrai que nous, on avait toujours rêvé de faire des trucs insolites et tout. Alors, c'est pas vraiment un truc insolite, mais c'est un truc à faire. On n'a jamais été dans des gros hôtels. C'est un truc luxueux, dans une suite, etc., etc. C'est vrai que, comme on va le dire, on n'a pas l'habitude d'aller dans des gros hôtels, donc on s'est fait offrir ça. Plus petit repas gastronomique, plus massage, etc., etc. Donc, on va être. Chouchouter un peu pendant ce week-end là. Donc voilà un petit peu pour mon cadeau. Le premier cadeau que j'ai eu, plus ce qu'on a en commun. Et voilà. Ça va être trop bien. Mais là on va attendre les beaux jours entre guillemets pour y aller. Parce que bah, si y a piscine et tout. Ça serait à faire le High Fly, tu l'aurais fait ou pas? Ouais, au final ouais. En fait c'est vrai que moi quand je suis arrivée au truc de High Fly, je me suis dit oula, mais en fait c'était parce que c'était le moniteur qui faisait des dingueries dans le truc. Et moi je croyais que c'était un mec random genre comme Roro qui était en train de s'emballer et qui faisait n'importe quoi. Alors que pas du tout, le mec il contrôlait ce qu'il faisait. Mais du coup je me suis dit, oh putain, je suis pas sûre qu'il va aimer ça. Ça en vrai j'ai kiffé la sensation parce que bah je pense que vous l'aurez vu au moment où à un moment donné il nous emmène tout en haut et on tourne. Je kiffe grave tu vois, parce que c'est sensationnel. Le truc c'est au niveau, bah j'avais du mal à respirer. Du coup bah j'étais paniqué dans le machin, je me disais... Putain, j'arrive pas à respirer, comment on fait quoi? Tu vois ce que je ouais, je vois. Bref, ouais, voilà, cool. C'est déjà la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.